chanter un cantique. Je vais inviter ma femme aussi à chanter. Alléluia. C'est un cantique. C'est en une langue camerounaise et c'est aussi traduit en français. Et nous allons chanter ça à la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Alors vous allez suivre. Et la chanson est très simple et très profonde. Et c'est un chant qui nous parle de l'amour de Dieu. Alléluia. Qui nous parle de l'amour de Dieu, de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. La chanson dit Amon Betamfam, Zambia Litiabia, Maye Nyanyebu, Awele Nese. Ça veut dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Amen. La chanson est simple. Sol simplement. Amum betamvam, Zambia liti yabia, Maye yanye bia melu, Mese.
Nom de Jésus, prenez place dans sa présence. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite? Salut le roi, salut la reine. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent en direct via les réseaux sociaux. Nous vous aimons. Nous avons commencé notre séminaire depuis le vendredi sur ce grand thème, Christ, notre Pâque. Et voici, nous arrivons au thème de ce programme. Nous voulons donner toute la gloire à notre Dieu et nous voulons lui demander encore de se mouvoir et de faire du bien à quelqu'un, à un homme, à une femme. Nous ne devons pas avoir l'habitude de venir dans la présence de Dieu. Nous ne devons pas nous habituer à la présence de Dieu. Cependant, nous devons toujours nous attendre à quelque chose dans la présence de Dieu. Amen. Lorsque tu quittes ta maison, tu dis je vais adorer Dieu, mais je veux aussi que Dieu me fasse du bien, qu'il me parle, qu'il me donne une direction, une orientation, et que Dieu me fasse du bien. Et lorsqu'on vient avec un cœur disposé, c'est là qu'on reçoit. Le message peut être bon, la présence de Dieu peut être intense, mais si en face, il n'y a pas de cœur qui sont disposés à recevoir, on ne sortira tel qu'on est venu. Ce n'est pas que Dieu n'était pas là, ou c'est pas que Dieu n'a pas agi, mais simplement nos cœurs n'ont pas été préparés. À chaque fois, prends cette décision, Seigneur, je viens dans ta présence, fais-moi du bien, parle-moi, je veux te célébrer d'une part, mais aussi révèle-toi à moi. Amen. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 1er. Romains, chapitre 1er. Merci au CEP Resurrection Corps pour le merveilleux travail. Dieu vous bénisse. Oignez encore pour les grandes choses. Vous êtes en train d'impacter la francophonie. Oh my God, je sens un mouvement encore là par l'esprit. C'est merveilleux. Romains chapitre 1er, le verset 1er au verset 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ,
appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils. Dis avec moi, il concerne son fils. Né de la postérité de David selon la chair, mais déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Cet après-midi, j'aimerais nous parler sur Jésus-Christ. Aide-moi à dire à ton voisin, Jésus-Christ. Ouh là là, c'est trop faible. Dis-lui, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Est-ce que ça peut encore monter un peu plus fort? Dis Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ah ouais. Nous pouvons parler de tout dans la Bible. Nous pouvons donner toutes les révélations que nous voulons. Mais la personne centrale de toutes les Écritures que l'humanité doit connaître, que nous sommes appelés à révérer, à vénérer, à glorifier, à prêcher, sinon à servir, pour qui nous sommes appelés, mis à part, c'est la personne de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Vous verrez que c'est un mot composé. On nous parle de Jésus d'une part et d'autre part, on nous parle de Christ. En effet, le mot Jésus a la même racine que Josué dans l'hébreu, qui signifie l'Éternel sauve, Yehoshua ou Yehoshua. Et dans le grec, c'est Jésus. Jésus signifie simplement sauveur, l'Éternel sauve. Et Jésus est un nom que nous retrouvons en Israël et tout au long de l'humanité, les personnes ont porté le nom de Jésus. On peut aussi vous donner le nom de Jésus. Et d'autre part, vous avez le Christ. Et Christ, en effet, n'est pas un nom. Christ, c'est le titre. Et Christ, Christos ou encore Messia, qui donne le Messie, c'est le titre de Dieu le Fils, qui a toujours existé, qui n'a pas de commencement de jour et qui n'aura point de fin de vie. En effet, lorsqu'on parle de Jésus, il y a en même temps quelque chose de compréhensible et quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec le raisonnement humain, d'où la nécessité d'avoir la révélation venant de Dieu. Amen. Écoutez, Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'aura point de fin. Il est Dieu, il existe par lui-même, omniprésent, omnipotent, omniscient. Il sait toutes choses. La Bible déclare dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu dans son essence n'a point été créé. Dieu dans son essence n'a point besoin d'un homme et d'une femme. Il existe par lui-même et il est l'auteur de tout ce qui existe, tout ce qui existe, tant dans le monde visible que invisible, ont pour origine Dieu qui est le Créateur. Il est le commencement, celui qui mérite d'être adoré, glorifié. Et vous verrez que Dieu, le nom de Dieu, depuis le commencement, a toujours effrayé l'humanité. Pourquoi? Car à partir du moment où l'homme avait péché, quand Dieu est venu dans le jardin, l'homme ne pouvait plus supporter l'éclat de sa présence. La gloire qui émane de sa personne est telle que, avec la nature pécheresse dans laquelle nous sommes nés, ne peut pas supporter cela. Voilà pourquoi on a peur de Dieu. Je vous assure, si Dieu descend dans toute sa gloire, même maintenant je vous parle, il risque d'avoir des morts. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu saint, il est un Dieu glorieux et sa gloire est comme du feu. Hébreux l'appelle un feu dévorant, consuming fire. Lorsqu'il arrive, il te consume. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas de la même nature que Dieu est consumé par Dieu. Lorsqu'on a porté les feux étrangers dans sa présence, un feu est sorti et les a consumés et ils sont morts. Pourquoi? Pas parce que Dieu est tueur, mais parce que la nature pécheresse fait que Dieu soit se cacher. Alors Dieu a toujours voulu habiter avec l'homme.
Mais Dieu ne pouvait pas se manifester depuis les âges. Voilà pourquoi lorsque l'homme a péché, Dieu lui-même viendra comme le premier prophète. Selon Genèse chapitre 3, le verset 15, il dira ceci: je mettrai inimitié entre la femme et le serpent, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Celle-ci te blessera le talon, mais toi tu lui écraseras la tête. Il est question ici de Christ, le Messie, Jésus, qui devait venir lorsque le temps serait accompli, pour résoudre le plus grand problème que l'homme a connu, le problème du péché qui conduit à la mort et qui amène des problèmes. Tous les problèmes que nous avons, divorce, maladie, problème, toutes ces choses ont pour origine spirituelle le péché. Voilà pourquoi le péché est grave. Et tant que nous serons dans ce corps de péché, il y aura des problèmes. Voilà pourquoi la solution à tous ces problèmes, ce n'est pas autre chose que Jésus. Ce n'est pas un homme, mais la personne de Jésus. Et Paul vient en son temps. J'aime bien Romain parce que Romain nous dépeint l'évangile dans toutes ses formes, dans toutes ses formes. Il pose les bases, il donne les ramifications. C'est quoi l'évangile? Il le dira lui-même: je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Paul vient, il se dit: moi Paul, apôtre. Il dit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé apôtre, un envoyé, un mandaté de Dieu, mis à part, Dieu l'a consacré, l'a mis à part pour annoncer une chose, l'évangile de Dieu. Ici, j'aimerais dire à quelque chose, à un homme, à une femme, nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, prédicateurs de l'évangile, appelés à annoncer l'évangile de Christ, l'évangile du royaume. Et c'est un évangile christocentrique, c'est un évangile où Jésus est à la base, où Jésus est au centre, tout gravite autour de la personne de Jésus. Envoyé pour annoncer l'évangile de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Cet évangile, le mot évangile signifie la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la guérison, la bonne nouvelle de la délivrance, la bonne nouvelle de la restauration. C'est ça l'évangile. Et il dit quoi? Il dit: cet évangile avait été promis. Donc en gros, c'était une promesse de la part de Dieu depuis Genèse, depuis le temps passé, depuis les âges passés. Dieu a promis que l'évangile serait envoyé comme l'héritage de tous les sanctifiés, de tous les rachetés. Car c'est par l'évangile que quelque chose va se passer. C'est par l'évangile que la révélation de Dieu nous sera accordée. Car autrefois, les gens connaissaient le nom de Yahvé, le nom de Dieu, ils en avaient peur. Israël même, regardez quand ils arrivent dans le désert, quand Dieu descendait sur la montagne, Moïse regardait ce spectacle. Et quand Israël voyait la montagne, quand Dieu descendait, la Bible nous dit qu'il y avait des colonnes, il y avait des tonnerres, des coups de tonnerre. Il y avait des éclairs, il y avait du bruit, des grandes eaux, c'était terrible. Au point où Israël dit: non, nous ne voulons pas que Dieu nous parle. Toi Moïse, monte afin que Dieu te parle et que tu nous rapportes ce que Dieu aurait dit. Tellement que ce spectacle était terrible, épouvantable. Mais ça, c'est Dieu. Et c'est le Dieu que tu pries. Alléluia. Amen. Suivez très bien. Ainsi, Dieu, à cause du péché, s'est caché. Il a dit dans Ésaïe: tu es un Dieu qui te cache. Il se cachait parce que, non pas parce qu'il ne veut pas que tu le découvres. Il veut, mais la nature du péché met une barrière. Voilà pourquoi il se cache. Dis avec moi: Dieu se cache. Mais il ne se cachera pas pour longtemps. Et plusieurs prophètes sont venus, eux tous qui ont prophétisé, Ésaïe en son temps, Daniel en son temps, Ézéchiel en son temps, Élie en son temps, Élisée en son temps, qui d'autre, Malachie en son temps, eux tous, ils prophétisaient par l'Esprit de Christ qui était en eux. Mais malgré qu'ils prophétisaient par l'Esprit de Christ, ils n'avaient pas la compréhension ou la révélation de qui était Jésus. Bien-aimés, ils connaissaient le Christ. Et d'après la loi, le Christ ne devait pas mourir. Mais eux, ils annonçaient un Christ qui viendrait, mais un Christ qui allait mourir. Alors comment expliquer cela? D'autre part, le Christ ne doit pas mourir. D'une part, il ne doit pas mourir. Et d'autre part, il doit mourir. Je ne comprends pas ce mystère. Alors écoutez maintenant la suite.
Dieu autant marqué, il va décider maintenant de venir lui-même en chair. La Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15 à 16 que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Bien aimé, je voudrais dire à une personne que Jésus est Dieu. Je voudrais dire à une personne que Jésus est Dieu. Jésus n'est pas un simple prophète comme certaines religions nous en parlent. Il y a des prophètes qui sont morts et on connaît leur tombe. Mais celui dont je parle, sa tombe n'a plus été jamais restée fermée. Car sa personne qu'on avait déposée là, il est ressuscité d'entre les morts. Bien-aimé, il est Dieu. Et dans son essence, il ne pouvait pas venir comme ça. Voilà pourquoi il a accepté d'être confiné dans un petit corps et venir parmi, vivre parmi les hommes. Lorsque le temps est arrivé, Dieu envoie son ange Gabriel auprès de Marie, cette vierge. L'ange arrive et dit, je te salue. Dis avec moi, je te salue. Dis avec moi, je te salue. Qui veut recevoir la salutation de l'ange? Je ne te dis pas de faire la prière, je vous salue Marie. Non. L'ange salue Marie. Il dit, toi à qui une grâce a été accordée. Une grâce a été accordée. Voici, le Seigneur est avec toi. Tu deviendras enceinte. Écoutez, nous sommes dans Luc 1 à partir du verset 26. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie se dit, tiens, je suis vierge. Je suis fiancée à Joseph. On n'a jamais connu, on s'est jamais connu l'un et l'autre. Comment est-ce que je pourrais devenir enceinte, tomber enceinte? Bien-aimée, l'ange va continuer en disant, ceci. Écoute Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre et tu enfanteras un fils. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand on dit que là, on ne peut plus rien faire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Saint-Esprit avec son ombre peut venir changer la situation. Oh, je vois l'ombre de Dieu venir dans ta vie et changer la situation dans ta vie. Tout est possible. Marie a posé la question, mais je suis vierge, je ne connais pas d'homme. L'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Qui le croit aujourd'hui? Qui croit que rien n'est impossible à Dieu? Si tu peux dire que rien n'est impossible à Dieu, cela signifie que tout est possible à celui qui croit. Y a-t-il quelqu'un qui croit ce soir? Dis avec moi, c'est possible. Yeah! On nous a prêché que le mot impossible ne se retrouve pas dans les dictionnaires du ciel. Karabashanda. Et voici comment il est né. Il va être conçu miraculeusement. 9 mois après, il a suivi le cours de l'humanité. C'est-à-dire le processus de tout homme pour venir dans le monde, être dans le ventre d'une femme, rester 9 mois et puis accoucher. Jésus-Christ sera accouché. Il va naître comme tout homme. Mais regardez, à la différence qu'il est Dieu, dans sa divinité, les gens sont venus l'adorer. Ils ont vu son étoile depuis l'Orient et ils sont venus pour l'adorer. Je n'ai jamais vu un bébé être adoré. Vous qui avez eu des enfants, moi j'en ai eu, j'ai jamais vu des mages venir adorer mes enfants. Le problème c'est qu'il est un homme de haute naissance. Il est Dieu. La Bible dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà pourquoi même si en Israël les gens n'avaient pas compris, réalisé ce qui s'est passé, Dieu s'est révélé aux mages. Dieu peut se révéler aux magiciens. Dieu peut se révéler aux gens qui ne le connaissent pas. Car la révélation de Dieu ne dépend pas toujours des hommes, mais ça dépend de Dieu. Ils ont quitté l'Orient. Ils sont venus avec leurs trésors. Ils se sont prosternés devant un bébé. Ils se sont prosternés. Ils ont commencé à adorer. Marie se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que le Christ a pris la forme humaine. Il est devenu chair et le nom s'appelle Jésus. Bien-aimé,
Je vais vous aider à répondre à une question que beaucoup peuvent vous poser. Si Jésus est Dieu, pourquoi est-ce qu'il est né par Marie? Il faut dire ceci, répondez ceci. En tant que Dieu, il est le Christ. Et en tant que Christ, il demeure éternellement. Il est le créateur de toutes choses. Mais en tant qu'homme, Dieu se fait homme et a commencé par naître par le canal de Marie. C'est-à-dire, Jésus a deux lignées. En tant que Dieu, il n'a pas de commencement. Mais en tant qu'homme, il a eu un commencement. Est-ce que tu me suis? En tant qu'homme, Jésus a eu un commencement. Il est né. Mais de manière spéciale, lorsqu'il avait 30 ans, regardez comment il demande que l'Esprit vienne sur lui. Dieu l'utilise puissamment avec des miracles extraordinaires. Un homme particulier, un homme intime avec son Père, un homme qui marchait dans une étroite relation, communion avec Dieu. Il savait parfaitement ce que son Père désirait à l'instant T. Il dira lui-même, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Lorsqu'il était parmi les hommes, il dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui, allant de lieu en lieu, guérissait tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La différence dans la vie de Jésus, il était oint du Saint-Esprit. Et je voudrais te dire, parce qu'il est le chemin, il est notre modèle, tu peux aussi marquer la différence dans ta vie et dans ta génération. Et ce qui va te faire marquer la différence, c'est l'onction. Dis avec moi, l'onction. Il le dira lui-même, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint, il m'a rendu capable d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé libérer les captifs, libérer, délivrer les opprimés. Jésus, en tant qu'homme, était limité, mais il avait besoin de l'onction qui a fait de lui le Christ. Oh, si tu as Jésus, tu as besoin d'avoir le Christ en toi. Car il y en a qui ont Jésus, mais qui n'ont pas le Christ. Christ, c'est oint. Christ, c'est l'onction. Christ, c'est la divinité. Christ, c'est la partie où Dieu marche parmi les hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, un homme spécial. Dis avec moi, un homme spécial. Vous savez, quand je pense à Jésus, je dis vraiment, nous avons du chemin. Il lui a fallu seulement 3 ans. Ma soeur, 3 ans. Toi, il te faut combien d'années? 3 ans. En 3 ans, il a bouleversé le monde. Il a secoué les générations. L'impact de son ministère s'étend jusqu'au 21e siècle. Tu es ici à cause de cet homme. Tu es ici à cause de ce qu'il a fait. La Bible dit qu'il est né de la postérité de David selon la chair. Selon la chair, il est fils de David. Et regardez, pendant qu'il faisait le ministère, un homme aveugle a pu reconnaître son identité en disant, fils de David, aie pitié de moi. Et quand il a demandé cela, il a été guéri. Dans son identité de fils de David, il est le roi qui doit s'asseoir sur le trône de David. Il est celui qui doit hériter du trône du royaume, ainsi que Dieu avait promis à David. Tu ne manqueras pas de successeur sur son trône, sur ton trône. Mais Jésus-Christ avait aussi une autre dimension à laquelle j'aimerais nous présenter aujourd'hui, qui fait de lui le Christ. Et tu as besoin de Jésus, pas seulement Jésus, mais tu as besoin de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un peut dire avec moi, j'ai besoin de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors pour que Jésus soit véritablement le Christ, si vous allez dans Jean chapitre 12, vous verrez que les pharisiens, les sadducéens, lorsque Jésus leur a parlé de sa mort, ils ont dit, mais pourquoi est-ce que tu dois mourir? Parce qu'on a appris par la loi que le Christ ne mourrait pas. Et un jour Jésus était avec ses disciples, il va leur poser la question, qui suis-je? Qui dites-vous que je suis? Les gens ont commencé à répondre. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie ou l'un des prophètes. Ils n'avaient pas tort. Mais Jésus-Christ va se tourner vers eux. Et vous, qui dites-vous que je suis? Je suis sûr qu'il y a eu un temps mort. Il y a un temps de
de silence. Et tout à coup, un homme parmi eux, Pierre, reçoit la révélation. Il dit non, c'est vrai, tu es Jean-Baptiste, tout ça, c'est vrai. Il prophétisait par l'esprit qui était en toi. Mais je crois que tu es le Messie. Nous sommes dans Jean 7. Il dit tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu rentres dans la dimension christique, tu rentres dans la christologie, lorsque tu rentres dans la dimension où tu comprends que Jésus est Dieu, plus rien ne t'arrête, plus rien ne t'empêche, plus rien ne te bloque. Jésus regarde Pierre et lui dit tu es heureux. Ça m'a choqué. Jésus n'a pas dit à Pierre tu es heureux parce que tu as un compte en banque. Il n'a pas dit que tu es heureux parce que tu es marié. Il n'a pas dit que tu es heureux parce que tu as des voitures, des maisons. Car ces choses, ce ne sont que vanité de vanité et poursuite devant. Mais Jésus a dit tu es heureux parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de nous donner la révélation de qui est Jésus. Et ma prière, pendant que nous clôturons ce séminaire, que Dieu donne à quelqu'un la révélation. Oh, je disais à quelqu'un la révélation de Christ. Tu es le Messie. Jésus dit tu es heureux. Un jour, il était avec les pharisiens. Jésus se tourne vers les disciples et leur dit oh, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Heureux les oreilles qui entendent ce que vous entendez. Car plusieurs rois et prophètes en Israël ont désiré voir ces choses, mais ne les ont pas vues. Ils ont désiré toucher, mais ne l'ont pas touché. Jésus frémit dans son cœur et dit, Père, je te loue, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais que tu les as révélées aux enfants. La révélation, c'est pour les intimes. La révélation, c'est pour les enfants de Dieu. Il dit, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Les enfants de Dieu ont part à la révélation. Or, pour avoir part à la révélation, il faut qu'un voile sorte. Le voile, c'était quoi? Le voile, c'était le corps de Jésus qui empêchait les gens de voir qu'en lui, il y avait Dieu. Quelqu'un ne me suit pas. En lui, il y a Dieu. Mais si Dieu se montre à vous, tous vous mourrez. Pour que Dieu ne se montre pas à vous, il se cache dans un corps qu'on appelle voile. Le voile, c'est le corps de Jésus, homme. C'est l'arche. On nous a parlé hier de l'arche. Quand les enfants d'Israël transportaient l'arche, l'arche est l'image de la présence de Dieu. Et cette arche incarnait la gloire de la Shekinah de Dieu. La gloire de Dieu était incarnée dedans, sous une forme de nuée. Et c'était le corps de Jésus. Voilà pourquoi les gens ne l'ont pas reconnu. Voilà pourquoi on l'appelle méprisé des hommes. On ne l'a pas reconnu, on l'a dédaigné. Parce qu'à vue d'œil, on ne pouvait pas le voir. Les hommes ne pouvaient pas le voir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les démons qui voient au-delà, voyez ce qui était en Jésus. Quand Jésus s'approchait, les démons disaient, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu nous perdre. Je suis venu te dire, le temps arrive où les gens ne verront plus la chair. Mais les gens vont voir Jésus en toi. Les démons vont commencer à fuir. Ah, là où tu mets les pieds, ils vont commencer à fuir. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a Dieu en toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Je bénis Dieu parce que nous sommes dans une génération des hommes et des femmes bizarres. Dis à ton ami, tu es bizarre. Non, touche-le, dis-lui, tu es bizarre. Tu sais pourquoi je dis tu es bizarre? Parce qu'en toi, il y a Dieu. Oh, quand tu marches, Dieu marche avec toi. À l'école, Dieu est avec toi. Au travail, Dieu est avec toi. Oh, quand tu fais les courses, tu es devant ton caddie. Dieu est à Rabassana. Un jour, je suis arrivé à la caisse de Carrefour. Je voulais payer comme ça. La femme qui faisait passer mes articles, elle a commencé à écumer. Elle me regardait d'un air. Je dis, démon. J'ai voulu commencer à faire la. Dis à ton ami, tu vas faire la délivrance. Sors au nom de Jésus. Bien-aimé. Si toi tu ne connais pas ce nom, dans le monde occulte, on n'appelle pas Jésus-Christ, on l'appelle le vieux père. Parce que quand on dit ce nom-là, Satan tombe et dit non, 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 non,
ici par ce nom-là. Quelqu'un, un sataniste a osé dire non, nous sommes allés en mission. La mission a échoué parce qu'il y avait des gens qui ont dit Jésus, il est tombé. Ça soit la dernière fois. Tu ne sais pas le nom que tu portes. Je dis à quelqu'un, tu ne sais pas que tu as Dieu en toi. Bien-aimé, le nom qui est capable de guérir les malades, le nom qui est capable de relever les paralytiques, le nom qui ouvre les yeux des aveugles, le nom qui ouvre les oreilles de sourds, le nom qui guérit les malades, le nom de Jésus. Je ne vous parle pas d'un sang de Dieu. Je ne vous parle pas d'une religion, mais je vous parle d'une relation. Je vous parle de Jésus de Nazareth. Je vous parle de celui qui est Dieu, vivant pour toujours et pour l'éternité. Il n'y a pas d'un comme lui. Cela, il fallait qu'il aille à la croix. Voilà pourquoi on l'a arrêté. Le jour où on est venu l'arrêter, quand on a posé la question, nous cherchons Jésus. Jésus a dit, c'est moi. Ils étaient nombreux, ils sont tous tombés. N'aie pas peur, quand les gens tombent, on dit Jésus est là. Qui peut résister devant ce nom? Au fait, on ne l'a pas arrêté, il s'est livré. C'est pas la même chose. Quand on t'arrête, c'est que tu t'es battu, mais on t'a quand même arrêté. Lui, non. Il s'est. Dis avec moi, il s'est. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. Il s'est livré. Il dit, personne ne monte la vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Mais il s'est donné lui-même. Parce qu'il devait te sauver. Et lorsqu'on l'a mis à la croix, comme ça, un des malfaiteurs commence à l'insulter. Jésus le regarde. Et l'autre l'interpelle et dit, mais nous, si nous sommes ici, ce n'est que justice. Mais cet homme n'a rien fait. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ta gloire. Oh, j'aime Jésus. Il dit pas demain, il dit aujourd'hui. Ce soir, tu seras avec moi. Je suis venu te dire, là où tu es, si la mort t'attrape aujourd'hui, si c'est la volonté de Dieu, tu vas souper. Tu vas nous précéder dans la gloire. Non, non, quelqu'un ne m'entend pas. Tu vas nous précéder dans la gloire. Ta place n'est plus dans le séjour de mort. Non, 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 non. C'est dans la gloire. Jésus a dit, ce soir, tu seras avec moi là-haut. Bien-aimé, on l'a crucifié. Et pendant qu'il versait son sang, la Bible déclare que quelque chose va se passer. Dans le temple qui était à Jérusalem, il va y avoir la déchirure du temple, du voile du temple. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, là où il y avait l'arche. Ce voile était tellement haut, sans le secours d'aucun homme, depuis le haut jusqu'en bas, la main invisible de Dieu a déchiré le voile. Et pendant que ce voile se déchirait, cela donnait un message au peuple que l'entrée dans le lieu très saint qui était réservé aux sacrificateurs est maintenant pour toi, accessible pour toi. C'est pour cela que, au travers du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Oh, tu peux venir avec assurance dans la présence de Dieu. La Bible dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Approche-toi avec assurance, car c'est là qu'il y a la solution. Quel est ce problème qui te hante? Ce problème que tu as? Des enfants, ta famille, tes projets? Quel est ce problème? Un problème spirituel? Le nom de Jésus va régler ces choses. Je dis, le nom de Jésus réglera la chose. Le nom de Jésus réglera la chose. Et quand il va rendre l'âme, Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. La Bible déclare
Au même moment, il y a eu des tremblements de terre en Israël. Mes amis, les événements qui se sont passés autour de la personne de Jésus, c'est unique, du jamais vu. Ce matin, je vous ai montré comment il y a eu des ténèbres pendant 3 heures. Les gens disent non, 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 non. Certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Même ceux qui voulaient douter, la nature même reconnaît et dit non. Devant mon Créateur, le soleil doit cacher. Le soleil se cache devant le Créateur. Il dit non, je ne peux pas briller pendant que mon Créateur souffre. Le soleil a retiré, s'est retiré de sa course. Il y a eu des ténèbres. Et la terre qui devait recevoir l'Esprit de Jésus dit non, mon Seigneur, mon Créateur est en train d'entrer dans mon sein. Non, la Bible dit la terre a tremblé. La terre a tremblé. Elle a tremblé 2 fois à la mort de Jésus. Il y a eu un grand tremblement de terre. Et Jésus est parti dans le séjour des morts. Il est parti regarder Abednego. Il est parti chercher Daniel. Il est parti chercher Samuel. Il est parti chercher tous ceux qui étaient morts autrefois, qui étaient dans la captivité de la mort. Il est parti. Ils étaient emprisonnés. Il est venu avec sa puissance. Il les a libérés. Il les a libérés. Il a libéré Jérémie. Il a libéré Daniel. Il a libéré Esaïe. Il a libéré Malachie. Il a libéré David. Il a libéré Samuel. Eux tous ont été libérés. Amen. Et il part du côté du diable. Il dit, assez longtemps tu as retenu les hommes dans la mort. Assez longtemps tu as tué le monde, l'humanité. Assez longtemps le séjour de mort a avalé le sang innocent. Mais j'aimerais te décréter qu'à partir de maintenant, je récupère les clés qui étaient entre tes mains. À partir de maintenant, je récupère les clés. La Bible déclare, Jésus est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Oh, le Seigneur dit, je suis vivant, je tiens dans ma main les clés de la mort et du séjour de mort. Aujourd'hui, la mort physique peut te frapper, mais plus jamais la mort spirituelle. Tu mourras avant l'enlèvement, certes, mais ton esprit ne gira jamais dans le séjour de mort. Lorsqu'un enfant de Dieu meurt, ce sont l'armée céleste, c'est les anges de Dieu qui sont envoyés en escorte pour te prendre et te transporter dans la gloire. C'est pourquoi tu ne peux plus avoir peur de la mort. Tu ne peux plus avoir peur de la mort. Oh my God. Ouh. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Il est parti là. Il est parti. Il a arraché. Il a arraché. Il a arraché. Il a arraché. Il y a une force de résistance. La mort dit non, je ne vais pas les laisser. Ces hommes sont à moi. Ils ont péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Oui, mais le don gratuit. Il n'y a pas que le salaire. Il y a un don gratuit. La vie éternelle. Ils ont péché, oui. Cet homme, cette femme a péché, oui. Elle est adultère, oui. Que celui qui n'a jamais péché lève la première pierre. Si tu n'as jamais péché, alors tue-la. Pourquoi? Le responsable de la vie était là. Le responsable de tout homme est là. Je suis venu te dire, tu as quelqu'un qui est un responsable pour toi. Ce que je suis en train de dire, c'est pour que tu crois que ni la mort, ni les démons, ni Satan, même si Satan, même si le diable était multi-diable, il ne te touchera jamais. Peu importe ce que tu as fait, même si tu as eu de faire des pactes avec lui, mais il y a un plus grand pacte, la nouvelle alliance par le sang de Christ. La Bible dit que c'est un sang qui parle mieux que le sang d'Abel. C'est un sang qui parle mieux que les pactes des sangs, des taureaux, des boucs, des coqs. On a sacrifié pour toi, on a déclaré des paroles et tu as peur à cause de ça. Oh non, les sangs ont coulé, on a dit des choses, on a fait des incisions. C'est vrai, ce sang la parle, mais je te présente un sang dont la voix porte le sang de Jésus. Je te parle de Jésus dont le sang porte. Bien aimé, il est mort. Le diable avait peur de sa résurrection.
il est parti voir les sacrificateurs pour dire, cet imposteur avait dit qu'il allait ressusciter le troisième jour. Alors pour empêcher cela, mettez des gardes. En réalité, ils avaient peur que la résurrection ait lieu. Mais le problème est lequel? Même si on te met des gens pour te surveiller, tu vas sortir de là sans savoir comment. Quelqu'un ne me comprend pas. Dans ton travail, les gens te mettent des bâtons dans les roues. Tu as des coups bas, tu as ceci, mais ils ne savent pas. Plus ils le font, plus Dieu te fait élever. Je suis venu dire à quelqu'un, tes ennemis sont tes escaliers pour l'élévation. Je suis venu dire à quelqu'un, ton échelle va vers Jésus. Personne ne peut rentrer là et te faire descendre. Bien-aimé, on pensait qu'il n'allait pas ressusciter. Les sacrificateurs étaient sûrs et certains. Comme il y a eu des gardes, jamais ne sortira. Parce que pour eux, ils pensaient qu'ils allaient venir voler son corps et on allait nous faire croire ici, voilà, il est ressuscité. Et voilà, encore une imposture. Mais ceux qui ne savaient pas, que le jour de sa résurrection, le jour où Christ est rentré dans sa divinité pleinement, parce que là, il a changé de nature. Regardez ce qui s'est passé. Il y a eu un tremblement de terre, un autre tremblement de terre qui a roulé la pierre. Un ange s'est assis dessus. J'aime quand l'ange s'assied sur la pierre. Il s'est assis dessus. Il attend. La Bible dit que les soldats commençaient à trembler. Les esprits de contrôle qu'on t'a envoyés, ils vont commencer à trembler. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus d'esprit de contrôle. Oh non, moi je sens des présences à la maison. C'est fini. Je suis venu te dire, c'est fini. Oh, je sens des présences. Maintenant, tu sentiras la présence du Saint-Esprit et la présence des anges. Quand tu sentiras un fort comme ça, tu dis, ah, Gabriel est passé ici. Oh, est-ce que quelqu'un me croit? Est-ce que quelqu'un me croit ce soir? Oh, oh. Alléluia. Il m'est arrivé un jour, je priais, je sentis comme un vent comme ça. J'ai dit, oh, merci Jésus. Je ne le vois pas, mais ils sont là. Est-ce que vous savez que à partir du moment où vous avez accepté Jésus, vous avez au moins deux anges qui sont vos gardes-corps? J'ai deux gardes-corps invisibles. Qui a des yeux pour les voir? Alléluia. Quand il est ressuscité, il est rentré dans une nouvelle dimension. Et la dimension de Christ, la Bible dit au verset 4 de Romains, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance par l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Quand Jésus-Christ est ressuscité, c'est là que Dieu lui a donné le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Mon frère, toute chose sur cette terre a un nom. Écoutez bien, vous qui avez des problèmes, vous qui pouvez passer par des moments difficiles, vous qui avez des situations bloquées, à partir de maintenant, je vous donne quelque chose qui est dans la parole de Dieu. Vous devez savoir que tout a un nom. Et la Bible dit que toute chose est soumise au nom de Jésus. C'est-à-dire, quand la maladie vient, tu dis maladie, tu es un nom, je ne sais pas. Cancer, prostate, peu importe le nom. Mais le nom par lequel je m'irai, que j'invoque, le nom par lequel cette personne ou moi-même je vais être guéri, c'est le nom de Jésus. La Bible dit que c'est le nom qui était souverainement élevé. D'ailleurs, au-dessus du nom de Jésus, il n'y a aucun autre nom. Le nom suprême. Et c'est ce nom-là que Dieu nous a donné comme héritage. Nous marchons avec ce nom. Nous chassons les démons par son nom. Nous guérissons les malades par son nom. Et il dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, Jésus-Christ, vous chasserez les démons. Amen. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous parlerez de nouvelles langues. Rien ne pourra vous résister. Bien-aimé, quand tu te seras face à une difficulté, à un mur, souviens-toi de ce message. Souviens-toi que Christ, qui est la postérité de David selon la chair, est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il a le nom qui est au-dessus de tout nom et le nom de la solution. Et
Et pour finir, dans le livre de 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 2, le verset 8, c'est Paul qui parle à son fils Timothée. J'aimerais que nous puissions le lire et puis nous allons prier. 2 Timothée 2, le verset 8. Est-ce que nous pouvons le lire tous ensemble à haute voix? Il est dit quoi? Tout le monde n'a pas trouvé 2 Timothée 2, le verset 8. Je ne vais pas donner à l'équipe technique. Ce verset vient de m'être inspiré à l'instant. 2 Timothée 2, verset 8. Il est dit quoi? Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Est-ce qu'on peut le lire encore une dernière fois? Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. L'évangile de Christ parle de trois choses: de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Et le christianisme est basé sur ça. C'est ça le fondement du christianisme. Ayez tout ce que vous voulez, tout pourra disparaître un jour, tout pourra s'effondrer un jour. Mais le nom de Jésus, c'est le nom que vous devez toujours vous accrocher, auquel vous devez vous accrocher. Même quand un jour tu pourras tout perdre, un jour Job avait tout perdu, mais Christ n'étant pas révélé, il a dit: je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier sur la terre. Quand ma chair sera consumée, quand tout sera perdu, quand Jésus vient, il restaure, il ressuscite. Et la puissance de la résurrection consiste à donner vie à ceux qui étaient morts. Or, toute chose qui est morte est contraire d'être pourrie et enterrée. Mais Christ vient avec une loi supérieure pour redonner vie à ce qui était pourri. Je n'ai jamais vu ça. Quand quelque chose pourri, on doit l'enterrer, on doit le jeter. Mais la résurrection vient prendre ce qui était pourri et redonne la vie. Lazare était dans la tombe, on a dit il sent déjà, il pourrissait déjà 4 jours dans la tombe. Jésus dit ôtez la pierre, et il parle aux morts, il dit Lazare sort. Et aujourd'hui prophétiquement, je viens déclarer dans la vie de tout et chacun de vous, au nom de Jésus, ce qui était mort dans vos vies sort maintenant. Que vos Lazares sortent, que tout ce qui était mort reprenne vie, que vos maladies vous quittent au nom de Jésus. Levons-nous. Alléluia. J'aimerais d'abord prier, pendant que l'équipe m'accompagne, pour toute personne qui aimerait donner sincèrement sa vie à Jésus. Tu es là, tu viens peut-être à l'église, mais tu n'as jamais fait une rencontre personnelle avec Jésus. Et tu aimerais le faire, sache que c'est ton jour aujourd'hui. Je veux juste voir ta main, si tu es là et que tu aimerais donner ta vie à Jésus, n'hésite pas, lève simplement ta main. Nous voulons prier ensemble. Nous voulons prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner son cœur à Jésus? Tu n'as jamais donné ta vie et tu aimerais lui donner, lui confier, lui offrir ta vie. Alléluia. Pour acclamer Jésus, viens mon frère. Alléluia, alléluia. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Que Dieu te bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut donner son cœur à Jésus? Aujourd'hui, c'est le grand rendez-vous. Sauvé, devenir un enfant de Dieu. N'hésite pas, lève ta main. Oh, qui veut donner sa vie? Qui veut donner sa vie à Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais appeler le frère Christopher. Frère Christopher, viens. Tu vas prier pour ton frère. Tu vas le faire accepter Jésus. Ok, viens avec lui. Chantons ce cantique ensemble. Chantons-le. Jéhovah est son nom.
son nom. Les choses n'évoluent plus. Tu sens que tu fais du surplace. Tu sens au fond de toi que ce n'est pas là où Dieu t'attend, où Dieu te veut. Alors que vous êtes devant, vous posez, vous levez juste vos mains vers le ciel. Mais Gauthier, aidez-moi avec ça. Aidez-moi avec ça. Oh my God, oh my God, oh my God. De la part de Dieu. Je vois la main de Dieu se poser sur une femme. Je vois la main de Dieu se poser puissamment sur la vie d'une femme qui est ici. Tu as dit à Dieu ceci. Tu as dit, Seigneur, j'aimerais te servir. J'aimerais te servir. J'aimerais te servir. J'aimerais te servir. Alors donne-moi l'onction qu'il faut. Donne-moi la sagesse, l'intelligence et travaille mon caractère. Tu as fait cette prière, tu dis, Seigneur, travaille mon caractère. Façonne-moi, façonne-moi. Je veux te dire de la part de Dieu, Dieu a entendu ta prière. Dieu a entendu ta prière. Dieu a entendu ta prière. Il a entendu ta prière. Et il descend ici pour te façonner. Oh, shadabar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 
oh, amen, 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 amen.
Amène-moi, Dominique. Tu m'emmènes. Viens, 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 viens. Tu m'emmènes. Quelque chose, quelque chose, quelque chose, quelque chose. Touche-moi, 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 je le brise.
Oh yes. Il y a une personne ici. Ça fait 2 mois. Tu as souvent de mauvais rêves. Tu te vois dans le sens où on te vole des choses. J'aimerais prier pour toi. Il y a une activité de la sorcellerie contre toi. Une activité de la sorcellerie. On veut voler ta santé et on veut voler également ton portefeuille. On veut voler ta joie. On veut voler beaucoup de choses dans ta vie. Et le Seigneur veut te libérer. Oh my God. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? L'Esprit de Dieu m'a révélé ton cas. Parce que je vois une lutte. Une lutte. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué. En fait, si tu veux, il y a une parole prophétique qui a été libérée dans ta vie. Et cette parole a suscité un combat dans le monde spirituel. Et ce combat veut, en fait, l'ennemi veut te voir te maintenir dans cette situation. Dans cette situation de solitude. De solitude. Oui, ce que tu as perdu, Dieu te le rend au centuple. Je te dis de la part de Dieu. Et comme je l'ai dit la dernière fois, ce que l'Esprit de Dieu m'a demandé de te le dire, cette année-ci ne finira pas. La personne que Dieu a réservée pour toi arrive vers toi. Elle arrive vers toi. Elle arrive vers toi. Au nom de Jésus, reçois. Et reçois également la santé de tes enfants. Aide-la, 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 aide-la. Quelque chose, quelque chose, quelque chose, quelque chose. Quelque chose aujourd'hui, quelque chose. Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. L'Esprit de Dieu est puissamment parmi nous. Parce que la voix, tu le prêtes. Alléluia, remplis-moi. Cette soeur, priez. Pendant que j'étais en train de prier pour la réclamation, l'Esprit de Dieu m'arrête parce qu'il y a un cas. Il y a aussi une réclamation satanique dans sa vie. On la réclame, on la réclame. Allez, priez rapidement. Elle est libérée, elle est libérée du joug. Elle est libérée du joug. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Je te dis la vérité, Jésus est Seigneur. Tu la lâches. Lâche-la. Lâche-la, je dis. Dieu arrive au nom de Jésus. Seigneur, Jésus est là parmi nous. Ça va, maman? Il est ici, il est ici, il est ici. Il est en train de réveiller l'esprit prophétique. Que Dieu veut utiliser dans la délivrance. Il y a des gens que Dieu veut utiliser dans la délivrance. Pendant que je parle, l'onction vient sur vous. L'onction de la délivrance vient sur vous. Recevez, 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 recevez. Fire, fire, recevez. Jésus, 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 recevez, 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 recevez. In the mighty name of Jesus Christ. Parle-moi,
chaînes qui tombent. Je suis en train de voir les chaînes qui tombent. Je suis en train de voir les chaînes qui tombent. Je suis en train de voir les chaînes qui tombent. Je suis en train de voir les chaînes. Les chaînes de l'esclavage. Ils sont brisés. Tu es libre. Cela maintenant même au nom de Jésus. Voici l'esprit. Prenez l'esprit. Prenez, prenez, prenez. Yeshua. Yes. 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 Yeshua, c'est Jésus. Et pour être un modèle pour la jeunesse, Dieu veut sauver des vies au travers de toi. Ne te minimise plus. Je te dis,